Salut tout le monde, on est reparti pour continuer sur Vanilla City. Alors la dernière fois, qu'est-ce que j'avais prévu? Il y avait plusieurs choses à continuer et à revoir. Donc déjà à continuer. Alors je voulais faire un grand échangeur, mais un grand échangeur. Mais en fait, pas dans l'immédiat. Je retoucherai quand même pour avoir une meilleure circulation à cet endroit, mais voilà. Donc il y a ça à faire. Il faut continuer à poser des résidences, donc à continuer à agrandir ce quartier. Je voulais revoir aussi, parce que j'ai toujours pas posé la bibliothèque, donc revoir un petit peu ce quartier, ce petit coin, là où il y a les écoles, la bibliothèque, etc. Ici, je voudrais déplacer surtout les décharges, les mettre plus dans ce coin-là. Parce que là, vu qu'il y a tout ce qui va être donc les industries agricoles. Voilà, donc pas mal de choses à faire. Seulement déjà, on va regarder. Voilà, l'électricité, on est un peu limite, et l'eau aussi. Donc je vais pas pouvoir poser tant que ça, rajouter des résidences, puisqu'ils vont, ils vont, bah, ils vont en réclamer et peut-être qu'on pourra pas faire face à la demande. Fais voir, je peux toujours en mettre là. Ouais, je vais en mettre là. D'ailleurs, je vais mettre hop lecture, comme ça l'argent continue de rentrer un petit peu. Pour l'eau, on va tirer le. On va faire ceci. Pas besoin d'aller trop loin, voilà, nickel. Donc comme ça, avec l'argent qui rentre, je vais stabiliser l'eau et l'électricité. Donc l'électricité, il me faut 50 000. Alors c'est plus avantageux, je pense que dans un premier temps, je vais quand même replacer. Ou alors je pars sur la centrale à charbon, tant pis, hein, je vais partir là-dessus. Et je placerai plus tard, parce que sinon je peux pas agrandir. Il faut que j'attende longtemps, en fait, c'est ça le truc. Parce que là, si j'en rajoute, ça consomme, forcément, c'est logique. Toi, on est vraiment trop limite. Donc non, bah, tant pis. C'est pas avantageux, surtout que le budget, hein, pour mémoire, je l'avais mis à 100%, donc je peux pas y retoucher. Donc pour l'eau et l'électricité, voilà, il faut que je le stabilise. Donc, fais voir l'eau. Ouais, je vais retirer une petite canalisation. Ouais, je vais le placer, voilà, directement. Comme ça, l'eau, c'est fait. Ensuite, pareil, le traitement des eaux, on arrive un petit peu limite, hein. Je vais te placer à côté. Ah non, mais c'est pas ce bâtiment. Oula, oula, c'est celui-ci. Voilà, comme ça, l'eau, on est bien, en théorie. Faut le temps qu'il se mette en route. Yes, c'est bon. Ouais, j'ai cliqué au moment où c'était bon. Ok. Ensuite, l'électricité. Donc, tu vois, 98. Aïe, 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 aïe. C'est tendu, tant d'axes. J'attends un petit peu que l'argent rentre. Bon, ça va aller assez vite, hein. Parce que. Ouais, c'est 19 000. Ouais, on est à plus 3 000. Bon, même si ça va baisser un petit peu, je pense. Ouais, 3 060. Donc, 19 000. En attendant, je pense que je vais continuer à tirer la route principale ici. Là, je vais prolonger l'autoroute. Comme ça va se raccorder. Je vais faire un truc de ce genre, hein, une intersection de ce genre. Je retoucherai les intersections un petit peu plus tard, parce que pour l'instant, bon, ça, c'est pas l'idéal, mais c'est pas forcément problématique. Donc ouais, je vais prolonger l'autoroute. Et ici, en fait, ce que je vais faire, c'est une voie, un axe principal qui va passer au-dessus du rond-point, et un axe principal qui va passer en dessous. Comme ça, ceux qui ont besoin d'aller tout droit, ils n'ont pas besoin de passer par le rond-point. Et les seuls qui vont emprunter les ronds-points, ce sont ceux qui veulent changer de direction. Alors, je pense que mon explication a été claire. Je l'espère. Ah oui, il y a aussi ce coin-là que je voulais changer, parce que c'était pas forcément. En fait, c'était pas terrible. Les places je les trouve trop grosses. Donc je pense que je vais retoucher ce coin-là aussi. Bon, c'est pas urgent de retoucher ça.
On est à combien? 13 000. Il nous faut 19 000. Ah, si je pouvais faire un prêt, j'aurais fait le prêt. Hein. Oh, mais je peux. Alors, que je réfléchisse. Est-ce que si je suis à 19 000, ça fait 40 000, il manquera 10 000. Alors attends, j'attends que ça rentre, parce que pour l'instant, je ne suis pas forcément en difficulté en termes de demande. Fais voir le... Oula, 80%. Ah, par contre, ça commence à bien bien se remplir. Ouais, je peux toujours pas le poser. Non, j'ai pas atteint le palier. Ouais, il faudrait que je prenne aussi ce palier. Hein. Est-ce que je prends le risque, entre guillemets, d'attendre pour avoir les 50 000 avec le prêt, hein, prêt compris. Donc il me faut 29 000. 29 000 ici. Ou 19 000. Le prêt, il est de 21, donc à 50, ça fait 29. Ouais. Donc il faut 29 000 ici. J'attends trop longtemps là. Non, allez, je me prends un peu trop là, c'est pas grave. Dans un premier temps, allez, on le chope, je vais poser. De toute façon, avec le temps, ça va se rentabiliser. On va retomber sur nos pattes. Donc comme ça, je vais mettre pause. Parce qu'il faut que j'atteigne le palier au-dessus pour pouvoir poser l'incinérateur. Parce que ce qui va se passer, c'est que ça va se remplir. Et je vais être obligé de poser une troisième décharge. Bon, après, tu me diras, c'est un peu comme pour l'électricité. Suffit à... Bon, dans le temps, après, je pourrais juste les supprimer, les déplacer, etc. Que je réfléchisse, comment je vais procéder. Alors déjà, au niveau du... Ouais, en plus, pour planifier, ça va coûter de l'argent. Quoique là on est plat, on est plutôt plat ici, donc si je fais ça, ouais, 12 000, alors il faut que l'argent rentre quand même, tant pis. Ok, bah je vais faire ça, ça. Et on va continuer la route principale. Voilà, je regarde si c'est la bonne distance. Bon, un petit peu plus. Quoique, de toute façon, il faut que je la fasse tout droit. Ok. Et là, l'autoroute, je vais la prolonger. Alors. Hop. Ah, je vais regarder si on est en angle droit. Tant qu'à faire. Donc, je vais faire comme ceci. Et je crois pas que ce soit un angle droit. Alors. Ouais, donc on va faire. Ah oui, mais il faudrait que je prenne par rapport au rond-point. Ah, oh, pareil, encore là, je vais chipoter pour rien. On va faire comme ça et je raccorde. Et je raccorde et je change le sens. Ce sera bien mieux pour circuler. Donc comme ceci, ok. Et ensuite, bah là, je vais faire toute une grande zone résidentielle. Ouais. Et quand j'aurai suffisamment d'argent, donc je modifierai cette intersection. En plus, ça fait que tous ceux qui veulent passer pour venir ici, ça leur évitera de passer par là et de se retrouver coincés ici. Même si... En fait, eux, il suffit qu'ils continuent sur la ligne. Il n'y a que ceux qui ont besoin de tourner qui coincent à cet endroit. Mais c'est pas grave, au moins c'est fait, c'est tracé. Et pareil, là, comme je disais, je modifierai plus tard cette intersection pour avoir un truc de plus fonctionnel. Toi, je te supprime. Donc, comment je vais procéder? Alors, hop. Alors, attends, je vais mettre en pause. Parce que je voudrais pas qu'il y ait des problèmes qui apparaissent et que je fasse pas gaffe. Non, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Comme ça, au moins, l'argent rentre pendant ce temps-là. Donc, si je fais ça, ok. Je vais faire un tracé pour voir bah, combien. Bah, pour me repérer au niveau de la taille que j'ai, de combien de routes je peux placer, etc.
Ok, donc je peux faire un truc comme ceci. Là, c'est pas grave, s'il y a deux, on s'en fiche un petit peu. J'ai... donc en écart, on va compter en écart, pas forcément en route. On peut compter aussi en route. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 écarts. Donc ça en ferait 1, 2... Si je pars à partir de là, ça fait 1, 2, 3, 4. Donc là, ça serait une voie principale. Et ensuite, 1, 2, 3, 4. Et là, ça serait la cinquième ici. Voilà, bon, on s'en fiche un peu parce que c'est en bas. Donc... ah oui, mais là, c'est un demi-écart. 1, 2, 3, 4. Ici. Non, c'est pas assez au milieu. Il faudrait que ce soit... pour refaire une voie principale, je vais la faire partir là. Et je vais remettre une là, et ensuite je vais faire partir les petites routes de là. Bon, c'est peut-être pas forcément très clair dit comme ça, mais dans mon esprit, ça l'est. Donc, on va modifier celle-ci. Ensuite, on va tracer tout droit. Ouais. Pas besoin d'aller jusqu'au bout, je pense. Quoique si on peut. Un truc de ce genre. Ah oui, mais là, vu qu'il n'y a plus l'écart, vu que c'était pas. J'avais pas prévu la deux fois deux. Alors attends. Je me trompe. Voilà, on commence. On a un petit peu d'argent. Alors on n'est pas si à l'aise que ça. Donc il faut quand même faire attention. Hop. Donc je me mets là. Pour avoir un petit espace entre les deux routes. Jusqu'ici, et ben là en plus ça va gagner cet espace là. Okay. Et là on fait comme ceci, comme cela, nickel. Oui, en sachant que de toute façon les routes elles partiront pas de là, puisqu'après je les ok. Bon, c'est pas grave. Bah, jusque là, ouais, on est à peu près au milieu. Je fais comme ceci. Je vais faire, je peux aller faire la route jusqu'au bout et je fais une petite place. On va voir ce que ça donne. Hop, et la petite place. Bon, oui, ils sont un petit peu trop au bord de l'autoroute. bah, c'est pas grave, hein. C'est comme ça. Hop. De l'autre côté, je fais comment? Bah, attends, je vais faire déjà ma route principale jusque là. Ensuite, la petite route. Comme ceci. Donc, je dis OK. C'est peut-être un petit peu trop grand. Bon, ça va, hein. La route est pas si grande que ça, hein. Bon, moi je pense que ça le fait. Ou je casse le en deux. Parce que là c'est quand même moins grand. C'est plus petit là. Je fais un truc de ce genre. Ah, mais attends, il faut que je pense que ici il y aura les routes. Alors, fais voir, est-ce que j'ai des problèmes qui apparaissent? Toujours jeter un œil. Hein. Non, c'est bon. Ça me plaît pas trop en fait. J'arrive pas à me décider. Je trouve que les routes sont trop longues.
Alors, dans un premier temps, je vais faire ce tracé-là. Je vais poser les habitations et tout, faire entrer l'argent et en fonction, je démolirai ou non ici par rapport à. Parce que vu que les routes, elles, par exemple, elles vont passer, donc les deux vont passer au-dessus, les autres en dessous, mais après, il faut que je fasse raccorder là. Donc, elles vont devoir s'écarter un petit peu pour rejoindre ici. Non, ça passera peut-être. Bon, on verra. Donc là, c'est fait. Je vais tirer les canalisations. Donc on va continuer là jusqu'ici. Faire comme ça, avant même jusqu'au bout. Ensuite, on va faire ça comme ceci. Voilà. Jusqu'au bout. Et là. Hop. Ça sauvegarde. Ça fait ramer. Voilà. Bon, tout l'argent y est passé, mais ça va. Ensuite, on va poser les habitations, parce que maintenant, il faut que ça fasse rentrer l'argent. Donc, ici, ici, ici. Faire comme ça. Pour l'instant, celui-là, je vais pas en mettre tant qu'à faire si j'ai besoin de démolir. Et là, tiens, par exemple, quartier comme ceci. Est-ce que. Faire comme ça. Ok. Est-ce que ça sera relié au niveau de l'électricité? On va voir. Je pense pas. Je mets le genre d'accéléré. Ça ira plus vite. Ça popera un petit peu plus vite. Fais voir, toi. 96, ouais, puis il va être plein. Il faudrait que ça passe au palier au-dessus. Ouais, l'électricité, c'est pas bon. Donc, hop, bon, j'ai 8000, donc j'ai de quoi faire rejoindre. Alors, toi, je peux faire. Comme ceci. Ah, bah, attends, non, je peux même le. Fais voir où est-ce que c'est. C'est juste avant la route, ok. On va faire comme cela. Normalement, ils vont se construire ici, donc ça va se connecter. Et pour ici, il faudrait que ça fasse. Ok, on va faire comme ça en attendant. Est-ce que ça se connecte? Yes, ok. À toi, vas-y, construis. Yes, ça s'est connecté. Ah bah c'est bon, lui, je peux l'enlever. Et on atteint l'agglomération. Ok. Donc, avec l'agglomération, bon, la grande agglomération, politique fiscale. Ok, bâtiment niveau 5, ok. Bon, là, il y a plein de nouvelles politiques. Ah, nice, les zones résidentielles à densité élevée, commerce élevé, zone de bureau, ok. L'usine d'incinération, donc elle, pour permettre aux décharges de se vider. L'université, ok. Le péage, ok. Nice. Plein de bonnes nouvelles choses. Bon, d'ailleurs, attends, je vais mettre pause, comme ça on va un petit peu revoir. Donc, pour l'incinération, il faut que je le pose tout de suite. J'en pose une ou deux. Je pense que deux ne vont pas être du. Pour l'instant, j'en pose qu'une, parce que c'est quand même 30 000. Il me reste 23 000. D'ailleurs, je peux pas la poser l'autre. Et oui, si je veux la poser, je peux pas. Donc une, comme ça va permettre aux décharges de se vider. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, donc au niveau politique.
Oui, imposition augmentée. Alors ça, c'est pour pouvoir augmenter ou diminuer les impôts par rapport à des zones précises. Et ici, ok, bon, pour l'instant, on va toucher à rien. Ensuite, et ensuite, on avait les nouveaux, donc à densité élevée, que ce soit donc les résidences ou les commerces. Ok. Donc j'ai posé ça. Bon, je vais remettre le jeu en lecture. On va attendre quand même que tout ça se construise. Parce que comme ça, on va pouvoir être fixé. Est-ce que je laisse... Pour l'instant, je ne vais pas partir sur les habitations à densité élevée. Bon, là, il va falloir aussi développer l'industrie. Donc, je pense l'industrie agricole, hein, continuer. Ouais, il va m'en demander. Donc, alors, on va faire au fur et à mesure. Je vais remettre le jeu à 1. Alors, attends. Avant, je vais quand même poser la bibliothèque. Parce que ce coin, en fait, j'ai envie de le finir. Donc, je vais virer ici la route et les habitations. Et la placer là, parce qu'il me semble qu'elle rentre ici. Alors, hop, déjà, on va faire ça. Ok, et la bibliothèque, ouais, elle rentre là. Donc, je vire la route. Bibliothèque, je te pose ici. Et on a déjà plus d'argent. Ok, nickel. Et si je peux, c'est rentrer l'université à côté. Donc l'université... Ah, le bâtiment il est assez costaud. Je le mettrai peut-être en face, sur la route en face. Tiens, je vais faire avec des arbres dans ce coin. Donc là, si je peux pas placer l'université à cet endroit, j'ai placé des parcs. Donc de ce fait, lui, je peux l'enlever. Et je vais placer l'université en face. Hein. Alors attends, il faut que l'argent rentre. Je peux placer même une petite école. Je pense qu'au niveau de la petite école, l'école élémentaire, on n'a pas du tout assez. Peut-être que je peux déjà dans un premier temps augmenter le budget. On va augmenter, on va mettre à fond. Donc déjà, ça va faire gagner, mais ça sera pas suffisant. Ouais, c'est pas suffisant. Parce qu'il y en a 625 d'éligibles et il n'y a qu'une capacité de 375, donc ça va pas. Faut que je pose une autre école. Donc, mais l'école c'est 10 000. Oh, ça peut monter assez vite. Oui, ici il faut que je lui dise de se vider. Et puis lui, en plus, il est rempli aussi. Puis ça va commencer à se cumuler là, les déchets. Est-ce qu'il faudrait que je rajoute aussi une décharge? Eh oui, parce que j'ai placé l'incinérateur, mais j'ai oublié de lui dire de se vider, lui. Parce que l'idée, c'était que pendant que lui se vide, lui, il continuait de ramasser les déchets. Et dès qu'il était vide, hop, tu sais, de jongler un petit peu entre la décharge qui va récupérer, la décharge qui se vide. Ouais, ici, ça sera plutôt bien. En plus, ça casse, j'ai un petit peu cassé là le. Cette grande grille, même si ça reste une grille, voilà, c'est pas aussi répétitif que cet endroit. Pour l'instant, on n'a pas de problème de décharge, enfin de déchets qui s'accumulent. Ok, donc j'étais un petit peu perdu dans mes pensées, c'est pas grave. On reprend. Donc il faudrait que j'agrandisse au niveau de la zone industrielle. Ce qu'il commence à m'en demander. Je pense que je vais développer ce coin. Donc la zone agricole. Je vais poser maintenant. Donc l'argent rentre nickel. Comment je procède? Est-ce que là je mets une route principale? Alors attends, hop, on va faire. Attends, on va faire ça, mes repères, je vais faire comme j'ai fait là-haut. Faire une petite grille pour voir combien je peux en placer.
Ok, là ça commence à remonter, là aussi. Ok. Donc je vais partir sur une route principale ici. En sachant qu'il faut que je la déplace. Alors, route principale. Du moins, une route principale de 2x2. Je vais faire comme cela. J'aime pas hein, cette grande route. Pour l'axe principal, ça va, mais pour la petite route. Non, en plus, il n'y a pas tant que ça ici, donc je vais pas faire ça. Je vais faire. Hop. On va faire comme ceci. Ensuite, on va faire. C'est peut-être un petit peu trop proche de la route, de l'autoroute. Parce qu'il faudrait qu'il y ait des arbres entre. Je veux qu'il y ait des arbres entre le chemin et. Donc je vais peut-être diminuer ici. Et voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à tirer l'eau et placer les bâtiments. Voilà, et on place les bâtiments. Ah oui, il faut que j'agrandisse la zone. Oups. En fait, je supprime. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Voilà. Ici, on l'agrandit. On suit le tout. Nickel. Nickel. On va faire même comme ça. Même si là, il n'y en aura pas. Ok. Et ensuite, on n'a plus qu'à placer. Hop. Ah non, il faut pas que je fasse comme ça. Hop. Parce qu'ici, là, je veux pas qu'il y en ait. Et voilà. Comme ça, bah ça ici, les industries vont pop. Oula, oula, qu'est-ce qui se passe? Ouais, tu vois, c'était ça qu'il fallait surveiller. donc, ouais, c'est parce qu'on arrive à les charger. Est-ce que je peux en poser une? Non, je ne peux pas. Donc, il faut que je repose une décharge. Je voulais pas en poser. Je vais la poser ici en attendant. De toute façon, cette zone, je veux la retoucher. C'était la zone du début. Vu que je veux ici spécifier aussi l'industrie forestière. Donc je vais poser et que je voulais tout déplacer. Donc de toute façon, où je la laisse là en attendant? Non, je vais la placer ici. Donc c'est bien ça. Je place ici. L'eau, c'est bon, ça couvre. Voilà, comme ça les camions vont sortir. Il faut qu'ils aillent tout ramasser. Ok. Donc là, je vois qu'il y a besoin de ça. Je vais le placer où? Je vais le placer ici.
les pompiers, il va y en avoir besoin, mais pour l'instant, j'ai pas. Est-ce que au niveau du pré, non, je peux pas en prendre. Ah, il faut penser vraiment tout le temps à vérifier, hein, parce qu'on peut vite se retrouver dans le pétrin. Bon, ça va. Il n'en reste plus beaucoup. Et c'est là où on voit donc le traitement, le statut du traitement des déchets. Ah, il faudra que j'en remplace un autre. Bon, tant pis. Et là, pour y parer tout de suite, il fallait que je repose une autre décharge. Là, ils sont un petit peu loin pour aller chercher. Donc, j'ai modifié les routes. Comme ça, ils rouleront un petit peu plus vite. Voilà. Comme ceci. Et puis, je crois qu'on va s'arrêter là. Hein. Ah oui, ça fait déjà 37 minutes d'enregistrement. Donc, voilà. Ok, bon, ça a quand même bien avancé, donc c'est plutôt cool. Pour la suite, il faudra continuer à stabiliser un petit peu le tout. Attends, je vais mettre pause. Voilà, donc pour la suite, il va falloir stabiliser au niveau des services, et puis continuer à développer, mais dans un premier temps, ça sera au niveau des services. Donc les pompiers, il faudra voir aussi au niveau des soins, bon bref. Tout ça, ce sera pour le prochain épisode. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode pour la suite ou dans une autre vidéo hein, sur Two Birds par exemple. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien, allez ciao !